Salut tout le monde, c'est Jackpot du Lac. Alors aujourd'hui, on va faire une pâte sablée aux noisettes avec le robot. Super facile, ça fait un fond de tarte, on peut même le manger au biscuit. Alors c'est rapide, c'est sympa, on y va. Alors pour cette pâte sablée aux noisettes, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien il nous faut 150 g de farine, 100 g de beurre qu'on va mettre un petit copeau, 50 g de sucre, puis une pincée de sel. Il nous faut également 50 g de noisettes moulues et 3 cuillères à soupe de lait entier. Il nous faut aussi un robot. Et puis Jackpot, elle est toute contente parce qu'elle s'est trouvé un truc, c'était le dernier, pour tamiser la farine. Il y a longtemps que j'avais envie de faire ça, alors je me suis fait un petit bidou. Et de mon excitation, j'ai oublié de dire qu'il fallait un robot ménager. On peut aussi faire à la main, hein. Je suis un petit peu paresseuse. Alors maintenant, c'est tout simple. Vous avez vu cette farine tamisée? Alors, on met dans le robot la farine, le beurre, le sucre et les amandes. On va faire rapidement pour pas que ça vous gonfle. Et la pincée de sel. Et puis, on va enclencher ce petit robot. Voilà, quand on a sablé ça, soit avec les mains, soit avec le robot, et ben on met notre lait. Et pas belle la vigne. Oh là là. Avant de mettre les doigts dedans, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la prise. Et puis, on va mettre ça dans un papier sulfurisé pendant 1 à 2 heures au frigo avant de l'étaler pour faire le gâteau que je ferai la semaine prochaine. Voilà. En fait, je vais le faire tout de suite, hein, mais c'est vrai que je ferai la vidéo du gâteau la semaine prochaine. Il paraît qu'il faut se faire désirer. On verra. Voyez bien qu'est-ce que je fais. Regarde, bon, c'est magnifique. Voilà. Alors j'espère que cette recette vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez me mettre des gentils commentaires, un pouce levé, et puis abonnez-vous à ma chaîne, continuez, c'est bien. Merci à mes abonnés, à ceux qui me suivent, et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.